Bonjour les amis, c'est encore et toujours Dominique Jungblut, l'écrivain explorateur, toujours dans nos petites vidéos d'information sur les outils que nous utilisons en tant qu'explorateur, en tant qu'aventurier, lorsque nous nous déplaçons à l'étranger, bien entendu. Je tiens quand même à apporter quelques précisions. Lorsque nous parlons d'armes blanches ou d'armes à feu, ce sont des outils qui ne sont pas en libre circulation, hein. Donc vous ne pouvez pas vous balader avec un couteau, un poignard ou même une arme à feu librement dans la ville. Il y a des règles et je vous invite à les respecter, sinon je pense que vous allez avoir quelques soucis. Maintenant, il n'est pas interdit de savoir s'en servir et au besoin, en cas d'agression, notamment à votre domicile, de pouvoir, impressionner votre agresseur. Je vais donc vous parler d'une nouvelle arme. La machette, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Non seulement ça peut vous décapiter, mais ça peut même vous démembrer. C'est extrêmement bien aiguisé, puisqu'au départ, c'est fait pour couper des lianes et des branches d'arbres, quand même d'un certain diamètre, pour avancer dans la jungle. Alors vous imaginez sur un corps humain. Avec Tonton Lucas, nous allons vous montrer comment on se sert d'une machette